Victime d'un grave accident de moto, ce dimanche 3 septembre 2023, Mathieu Kassovitz est depuis longtemps un passionné de sport automobile et s'était d'ailleurs plusieurs fois confié sur ce loisir périlleux. Une passion à haut risque. Mathieu Kassovitz a été victime d'un très grave accident de moto, ce dimanche 3 septembre 2023. Le comédien de 56 ans se trouvait sur le circuit automobile de Linas Montlhéry en Essonne pour un stage de perfectionnement en vue d'un prochain film, lorsqu'il a perdu le contrôle de son engin, comme l'ont rapporté plusieurs médias. Grièvement blessé à la cheville, au bassin et à la tête, il a été transporté en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, où il aurait été endormi afin de lui éviter de souffrir. Deux de ses enfants, qui l'accompagnaient, ont été témoins de la dramatique scène, sans en être impliqués. Mathieu Kassovitz, victime d'un accident de moto, le comédien est un passionné de sport automobile. Le réalisateur de La Haine avait un goût très prononcé pour le sport automobile. Il y a quelques années, interrogé dans le podcast Radio Vinci Autoroute, Mathieu Kassovitz se confiait à ce sujet. J'aimais les voitures et les motos. Je suis un fou de sport mécanique, ce que j'aime, si est-il la mécanique et l'ingénierie. J'adore les circuits, j'ai une voiture de course, expliquait celui qui n'a passé son permis moto qu'à la quarantaine. Trop tard pour participer à quelques championnats, il faut s'endurcir très jeune pour pouvoir affronter la compétition plus tard, remarquait-il, assurant aussi quand je suis à moto, je suis à 110%. Celui qui sera à l'affiche du thriller Vision aux côtés de Diane Kruger, en salle le 6 septembre prochain au cinéma, s'était aussi affiché en pleine séance de pilotage dans l'émission Highside, diffusée sur RMC Découverte, en 2017. Mathieu Kassovitz évoque sa passion pour la moto. Interrogé par le présentateur du programme, Mathieu Kassovitz avait évoqué l'origine de sa passion, « Je vivais dans les années 2000 aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai toujours eu envie de faire de la moto, mais j'avais jamais passé mon permis, j'avais jamais fait de 125, rien du tout », révélait celui qui a tout de suite commencé à rouler sur des modèles très puissants. Avant de rencontrer quelques problèmes avec la police, j'ai perdu mon permis point par point. Je n'ai pas fait de gros trucs, j'ai perdu 3 points d'un coup, maximum. Puis après c'était des petits trucs. Donc, j'ai continué à rouler sans permis, comme un imbécile, je me suis fait choper, avouait-il, promettant aussi, je suis prudent, mais par contre j'avance. Je m'amuse, mais je ne fais pas n'importe quoi, je connais les bases des petits accidents à Paris. Tu peux déjà te faire super mal à 30 km/h, constatait-il. Des propos qui résonnent tristement aujourd'hui.